Merci et bonne journée. Oui, c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, je me cherche un avocat en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du Québec qui va faire exactement ce que je vais lui dire de faire. Je sais qu'environ, ça coûte environ entre 150 $ et 500 $ de l'heure. Il y en a que ça peut être 1000 $ de l'heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer votre montant à 500 $ de l'heure pour me représenter en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du Québec. Et je vais immédiatement vous envoyer quand même une facture parce que je sais qu'il n'y a pas un avocat qui a le droit d'obéir à son client. Si son client connaît le droit, si son client connaît la loi, si son client connaît la procédure comme je le connais. Ça fait 30 ans que je fais ça, mais tous les gens qui ont perdu, il n'y a pas personne qui a le droit de se présenter seul devant un juge, étant donné qu'à l'article 1 du Code civil du Québec, on dit bien que l'être humain possède la personnalité juridique, et c'est aussi à l'article 1 de la loi de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, la loi C-12 de 1975, qui a été déclarée quasi-constitutionnelle par Benoît Pelletier. Donc, je cherche un avocat. Je dois tout simplement me constituer un avocat qui va faire ce que je lui dis de faire. Il devra rompre son serment de confidentialité du fait qu'il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et la loi autre que le Parlement du Québec, c'est la loi Z03 du fédéral. La loi qui reconnaît que les lois ici ne sont pas législatives, qu'il n'y a pas de loi législative. Les lois habilitantes ne sont pas législatives. Donc, il n'y a pas de gouvernement légitime, légal et constitutionnel, même si vous utilisez le mot gouvernement, le mot parlement, le mot loi, le mot droit. Et vous savez que là, actuellement, je vais tout simplement vous expédier un montant à 500 $ de l'heure que vous devez tout simplement charger à votre client. Mais immédiatement, ça va vous coûter 6% en dommages-intérêts punitifs parce qu'il n'y a pas un avocat qui va vouloir représenter Jacques-Antoine Normandin dans ces dossiers-là. Et les juges le savent, les juges, c'est des anciens avocats qui ont pratiqué pendant 10 ans. Et ayant pratiqué pendant 10 ans, ces juges-là sont au courant du fait qu'il n'y a pas personne qui se présente devant un juge. Il n'y a pas aucune personne physique ou personne morale qui se présente devant le juge. C'est toujours la personne physique qui est poursuivie par la justice et la personne morale. Et étant donné qu'on ne peut pas emprisonner une personne morale comme on ne peut pas emprisonner une personne physique parce que ce sont des personnalités juridiques inanimées et intemporelles, ben on représente tout simplement ceux qui possèdent ces personnalités juridiques-là ou ceux qui représentent ces personnalités juridiques-là. Dans mon cas, moi, c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille, qui est le représentant autorisé de Jacques Normandin ou de Jacques-Antoine Normandin. Aussitôt qu'il y a un nom de famille, il n'y a pas d'existence vivante. C'est pour ça que vous avez fait la formule D de Santé et Services sociaux Canada et Québec aussi, dans lequel la formule D numéro 149-844 a rajouté un nom de famille au nom du baptisé, parce qu'il n'y a pas de prénom. Un baptisé n'a pas de prénom. C'est son nom de baptisé et le nom de famille devient un surnom. C'est écrit dans la formule D numéro 149-844 de Claude Lamarre de Santé et Services sociaux du Québec. Donc, on va vous charger 6% par jour. Si vous ne pouvez pas, à partir de maintenant, du 9 avril 2018, à partir d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'appel de retourner pour me constituer un avocat qui va me servir, qui va m'obéir, ben ça vous coûte 6% par jour. C'est le même montant que charge Revenu Québec pour les comptes en souffrance ou les gens qui sont tout simplement, qui vivent une punition de Revenu Québec. Et n'oubliez pas que l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Et quand on fait une recherche sur le registre de Revenu Québec à cet effet-là,
L'Assemblée nationale a été créée en 1867, ce qui est complètement faux, parce que l'Assemblée nationale... Pour réécouter l'enregistrement, faites-le 1. Pour l'effacer et réenregistrer, faites-le 2. Pour choisir les modalités de remise, faites-le 3. Pour envoyer le message, faites-le carré. C'est bon. Attendez un petit peu. J'ai envoyé... Le message a été livré. Déconnexion en cours. Au revoir. Enregistré. Donc, c'est ça. Là, c'est certain que je me suis pris d'une façon un peu bizarre, mais j'avais pas le choix, parce que vous savez qu'avec ces gens-là, il n'y a pas moyen de communiquer avec eux autres. Donc, étant donné qu'il n'y a aucune façon normale et logique de communiquer avec ces gens-là qui mentent à la population, qui cachent la vérité, ben à partir de là, ben j'ai fait ce que j'ai pu pour vous. Je vais mettre ça sur YouTube et on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai Mario Talbot qui comparaît devant un juge à la fin du mois de mars. Et puis, j'ai quand même aussi des gens qui comparaissent au mois de mai. J'avais Claude Dubé qui devait comparaître au mois de mai. Et il a été séquestré par la Sûreté du Québec, par 4 policiers de la Sûreté du Québec à Saint-Romuald pour lui faire signer un document. Il a été séquestré le 28 avril dernier, vers 9h30 environ, et il a comparu à 14h30 de l'après-midi du même jour. Il était menotté. Et le juge en question, je pense que c'est le juge Amélie Lachance, qui se trouve être la juge de la Chambre commerciale de la Cour du Québec, qui est une cour complètement délinquante depuis 1988, depuis sa création. Donc, elle a tout simplement ordonné à Claude Dubé de comparaître le 15 mai prochain. Et quand Claude Dubé a retourné au palais de justice pour aller chercher le repiquage audio ainsi que le procès-verbal de l'audition de la cour, tout était disparu, tout au complet. C'est ça les avocats du Québec, c'est ça le barreau du Québec, c'est ça votre administration de la justice au Québec, et c'est ces gens-là qui gouvernent partout au fédéral. C'est pour ça que le fédéral et le Québec, c'est un alter ego, c'est pareil. Pour les séparatistes, torchez-vous avec ça, ou ceux qui sont pas assez intelligents, continuez à faire du pays du Québec de 1968 le pays du Québec de l'an 2018, de l'an 2019, de l'an 2020. Puis écoutez, hein, je vous souhaite bonne chance là-dessus, mais ça ne peut pas rester comme ça. Et là, je charge 6% à 500$ de l'heure. Donc, je charge 6% par jour aussi longtemps que le barreau du Québec ne m'aura pas constitué un avocat qui va faire à ma façon, qui va m'obéir, qui devra rompre son serment de confidentialité sur le fait qu'il n'y a pas de loi ici, qu'il n'y a pas de constitution ici. Il ne doit pas mentir comme a menti Benoît Pelletier quand il a dit que la charte, que depuis 1982, la constitution qu'on n'a pas signée ici au Québec, mais elle s'applique comme s'il ne s'était rien passé, comme s'il ne s'était absolument rien passé. Alors qu'il a déclaré à l'Association québécoise c'est l'Association québécoise du droit constitutionnel, je crois, du Québec, où il a fait une déclaration publique lors d'un colloque où il a dit que cette charte-là, la loi C-12, elle est quasi-constitutionnelle. Quand on dit quasi-constitutionnelle, quasi-judiciaire, quasi-juridique, à partir de là, c'est que ça n'existe pas. La loi n'existe pas, le droit n'existe pas, et la Constitution n'existe pas. Il fonctionne sur du quasi.
Le barreau est fondé sur du quasi, et du quasi, c'est tout simplement du sable. Il n'y a pas de fondation légitime, constitutionnelle et légale, et les avocats continuent de vous endetter à 174 % de votre revenu et de leur revenu à eux. Parce que ces avocats-là, à moins qu'ils ne payent pas d'impôts, puis c'est drôle, les avocats qui payent des impôts, c'est des voleurs. Parce que s'ils payent des impôts, sachant qu'il n'y a pas de loi, c'est qu'ils financent une institution qu'on appelle Revenu Québec, dans laquelle la Chambre des communes du Canada est enregistrée comme entreprise, dans laquelle le Sénat canadien est enregistré comme entreprise, dans laquelle l'Assemblée nationale est enregistrée comme entreprise, dans laquelle le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Québec et le ministère de la Justice du Québec sont aussi enregistrés, de même que est enregistré le ministère de la Justice du Canada. Sur ce, on se reparle. Mon numéro de téléphone, pour ceux qui veulent me rejoindre, les avocats, les juges, peu importe, c'est 438-390-6246. Je peux me prétendre être un procureur, être le procureur du peuple du Canada, sans aucun serment de confidentialité, sans aucun silence à perpétuité. Je suis là pour vous dire la vérité, pour protéger le peuple contre, depuis tous ces dizaines et ce dernier siècle où vous vous êtes fait tromper par l'administration de la justice pour en résoudre où on est rendu actuellement dans le désordre absolu, ordo ab chaos. C'est ce qu'il y a sur la pyramide du dollar américain. Donc, n'oubliez pas que les avocats, les juges, les notaires peuvent bénéficier des privilèges des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale, de l'évitement fiscal, et que ces gens-là, s'ils en payent, c'est des voleurs parce qu'ils financent hors la loi. Ils savent qu'il n'y a pas de loi. Puis pour se protéger par Revenu Québec et par Revenu Canada du fait qu'il n'y a pas de loi ici, ils sont obligés de payer des impôts. Sinon, c'est Revenu Québec et Revenu Canada qui vont déclarer eux-mêmes que les juges sont inconstitutionnels, illégitimes et illégales, ainsi que tous les 26 000 membres du barreau du Québec sont tous des délinquants parce qu'ils doivent financer par leurs impôts, ou appelez ça comme vous voulez, Revenu Québec, de façon à ce que Revenu Québec ne révèle jamais publiquement par les comptables de Revenu Québec, par les notaires de Revenu Québec et tout ça, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution, et que le Québec, c'est un État national depuis l'an 2000, par la loi 20.2, alors que le cabinet de notaire Brunet Dufour-la-Jeunesse a refusé de désigner dans ma procuration le Québec comme étant l'État national du Québec. J'en ai fait le reproche à ce cabinet de notaires-là, et ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de respecter la Constitution du Québec de l'an 2000. Ça va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien.